Eh, VOD ! On est dans Stray, on continue le jeu du choix. On s'était quitté sur cette petite mélodie. Je referai jouer une autre plus tard, mais pour le moment, elle me plaît bien. Donc on va explorer un petit peu. Parce qu'il y a quand même plein de trucs à trouver dans le jeu. Enfin, plein. En fait, il y a les souvenirs. Partition, il y aura sûrement d'autres trucs plus tard. Mais là, on va explorer un petit peu avant d'aller voir Momo. Je m'occupe des plantes, les humains les ont tellement améliorées maintenant, elles n'ont presque plus besoin de lumière. Je les arrose à peine et regarde comme elles poussent. C'est une technologie vraiment incroyable. Oui, oui, tout le monde ici connaît ce symbole, c'est celui des extériorismes. Ils vivent dans les étages supérieurs du secteur. Tu pourras sûrement en savoir plus en parlant à Momo. Merci, j'ai pas soif. Mais les robots, du coup, utilisent des bracelets énergisants ? Parce qu'il y a des distributeurs et tout, hein. Oh, ça, c'est le vendeur. Bonjour, je suis le marchand du marché. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange. Aussi simple que ça. C'est une partition musicale, une œuvre d'art magistrale d'un artiste très célèbre. Elle te coûtera une canette de boisson énergétique. Je vais voir ce qu'ils vendent d'autre, attends. Ceci est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Ça te coûte 3 canettes de boisson. Franchement, je prends la partition, je pense, hein. On te fait une dédicace, la VOD. Hein, que j'arrive pas à trouver. Du coup, je dis plus rien, parce que je suis arrivée ici. Tant mieux. Je regarde si tu trouves le soldat qui me manque. Ah, ok. Il y en a que 3. Ah, il me faudra... Je vais... C'est une info intéressante. Je vais attendre, alors. Heureusement qu'on a des objets pour nous défendre, qu'on a des serres. Les taudis sont dangereux et se préparer la capitale. Il paraît que le troqueur cherche ce genre de choses. Ok. Bah on verra quoi. Je vais pas faire ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave en explorant. On a un chat, donc tout va bien. On est juste un chat, quoi. Quoi ça? Végétaux déco, il pousse dans le noir. Pas besoin de soleil pour aimer la nature. Mais faudrait pour mettre une derrière moi, parce que j'ai pas beaucoup de lumière ici. Avomatique, fringue, programmation Elliot. Bon, on va aller un peu par là. Tu ressembles un peu à un zerg. Enfin, vu de loin, du moins. Il faut de jolies petites filles en l'air mignon comme ça, mais méfie-toi. Ils mangent même le métal, ils sont terrifiants. Ah, que je trouve qu'il y a ce genre de choses. Je me dis au cas où il nous donnerait des infos sur comment en avoir d'autres. Tu veux quelque chose? T'as pas du coin, qu'est-ce que tu veux? Non merci, je n'ai pas soif. Ils ont toujours leur frigo ouvert, ça me vénère. Un, deux, huit, trois. L'eau égale 7.
Trop bien fait de changer, trop bien. Vous êtes pour l'étage 1, 2, 8, 3. Hein. Vous retenez le chat, hein. On va faire le jeu sans prendre la partition. Ah ouais, d'accord. Oh, petit chaton, regardez comme il est bizarre. Ils agèrent ça, ils agèrent vraiment ça. Leur conception d'origine n'incluait pas de système digestif. Peut-être ont-ils évolué en imitant les humains d'une certaine façon. Tu crois que je devrais goûter? Je veux pas manquer de respect à leur tradition. Par contre, le monde laisse péter un câble. Partition. C'est le journal des gens qui vivent au-dessus, au niveau 2. Il date de quelques années, mais il vaut le coup d'être lu. Oui, le monde, tout le monde ici connaît ce symbole, c'est les machins, ils vivent là-haut, blablabli. Mon anu sur la mocode, la commode. Oh, la musique a fait un câble, ça me stresse. Faut que je sache à quoi sert ce code. C'est 8, 2, 3, 1, c'est silence! Ouais? Tu es sûr? Je vais vérifier. Bon, surtout que je vais fouiller en bas en fait. Plaît du moi. Non, c'était 1, 2, 8, 3. T'as fait exprès silence? T'as fait exprès de mettre les bons chiffres et dans un ordre complètement what the fuck? Nina, bravo hein. 1, 2, 8, 3, mais ça m'énerve de pas savoir quoi faire cette info. Je vais refouiller. Déjà refouiller là-dessous. Non. D'accord qu'il n'y a rien hein. Oh, la musique s'est excitée d'un coup. Si je remets ça. Laisse mon empreinte. C'est important. Bon. Tiens, 2, 8, 3, c'est ça? Non, qu'elle me dis pas, monsieur Skull. Je me dis pas. I don't want an indice. On va aller voir. Programme Elliot. Frappez la porte et nous ouvrirons. Ok. Elliot! J'aime bien ce nom. Oui, rencontré? D'accord. Pas. Moi je passe hein.
Avance. Viens voir Elliot, il est juste à côté. Il fait des bruits bizarres celui-ci. Partition. Ça sert à rien ce truc. C'est un petit merveille scientifique. Et remarquable que j'ai une immense volonté à faire poser les idées qui possèdent. On l'a déjà dit ça, non? Les robots n'en ont pas besoin, mais ils s'en prennent soin quand même. T'as voulu les humains? Ah non, c'était pas la même chose. En fait, j'aimerais faire ça. Ensuite, on va faire ça. Voilà. Et ensuite, on va le voir lui. Oui, je peux t'aider. Avec le trucage, ce genre de choses. Ok, bon, 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 bon. Voilà. Bois qui me berce sous la table. Petite mémère. C'est quoi par là déjà? Oh, je ne sais plus. Je connais pas celui-ci. J'aime beaucoup le tricot. J'en suis à 770 km de bonjour. Cliquez-y, c'est qui n'est pas rien. Si tu me trouves du câble électrique, je pourrais te faire un bonjour. Tu m'inspires. Mais trouver les bons matériaux est difficile par ici. Ah. Ah, d'accord. Regarde, mémé, d'accord. Je peux pas. Ok. Oh, mais c'est verrouillé. Ça va, tu peux partir. Le gardien a dit que c'était pas les airs. Ah non, non, c'est sortir, il a dit. Non, tu peux partir. Mais non, c'est ma machine. Enfin, je sais pas qui a dit ça, en fait. Je sais pas. Alors, vers ça. Aouh. À se rappeler. Petit souvenir. Je ne veux pas des griffes sur le canapé. J'ai mes griffes absolument partout. Je vais faire quoi? Reposer en paix, humain. Les humains furent les premiers à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir? Je sais que c'est une question idiote de ma part. Mais sont-ils vraiment en paix?
Est-ce que je trouverai la paix en mourant? Ignore à quoi ressemble la mort pour une IA. Je m'excuse, je ne voulais pas tomber en grâce. Continuons. Tu crois que nous on sait? Oh, qu'est-ce que c'est? Je peux pas interagir. Il veut pas de moi. La signe du pétate! C'est un buteur? Ouais, ouais, ça y est, j'ai déjà fait. Je te le remontre si tu veux. Voilà. Merci Crazy Patate pour ton 27e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Soutien depuis 27 mois. J'espère que ton été se passe à peu près bien. Malgré tout, quoi. Malgré tout, en fait. Malgré la vie. Ces types n'ont pas intérêt à faire tomber un autre pot de peinture, si ça va l'énerver que ça. Ah, c'est ceux là-haut qui s'envoient des trucs. Ah oui, c'est rigolo. J'avais pas fait gaffe. C'est sympa. Ah, faut que je miaule au moment où ça va tomber. Et Gwen, c'est petit Gwenou. Ah, il s'engueule du coup, je vais pouvoir descendre. 50 degrés hier, sinon ça va et vous? Super, écoute. Écoute, pareil. Non, pour nous, c'est aujourd'hui la pire journée. Non, 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 non. Je peux pas descendre? Ah, si, voilà. Encore nettoyé, Nanny. Il est trop vénère. Je compatis, mec. Je compatis. Qu'est-ce qu'il y a trouvé ici? Ça me sert à quoi d'avoir ouvert ce truc? Ça me sert forcément à quelque chose. Alors attendez, je cherche. Hein. Disais pas, disais pas. Je peux pas monter, c'est chiant, je peux pas. Je vois, du coup, on voit très très mal. J'ai fait avec des patounes et miaulées. Oui, c'est ça. Ça, c'est ça. On est un chat dans un monde un petit peu apocalyptique. Voilà. Et on a été séparés de nos compagnons chats. On est tombé dans cette sorte de ville robotique. Enfin, c'est une ville peuplée par des robots, mais qui était à la base une ville humaine. Et du coup, on essaie de savoir comment... Ah, je prends la lessive. Ok, ça va me servir sûrement tantôt. On essaie de comprendre comment rejoindre nos amis qui sont eux à l'extérieur. Parce que ça, en fait, c'est un dôme. Enfin, en tout cas, c'est une ville fermée, vraiment. On essaie de sortir de cette ville fermée. Annonce, je cherche toutes sortes de partitions pour jouer de la guitare et mettre l'ambiance. Si vous en trouvez, amenez-les-moi, j'habite à côté de l'ascenseur. Signé Morusque. Sacré Morusque.
Ça, du coup, on a déjà fait. Ça, je peux monter, ok. Tu vas explorer quand même le sol, parce que je découvre des trucs. Même si, pour le moment, il y a des choses que je découvre qui... c'est des bouts d'énigmes, mais j'ai pas l'autre bout. Mais on va trouver. Là, on se promène. Oh, c'est 8 heures. Let's go. Ah bah oui, c'est juste à côté de mon rusque. On va lui faire jouer notre musique, tiens. Non, je voulais pas mettre la... Attends. Je vais faire jouer une partition. Oui, j'en ai d'autres des partitions, je t'en donne une. Partition 2. La balade du robot solitaire. Ah, ça va avoir un côté un peu western. Du bien une douche à rafraîchir sa maman, tout à fait. D'une prolifération de Zerf. Ne prenez pas de risque et restez dans la zone sécurisée. Mouais. Oh, le code! Pas de mystérieux. C'est quoi le code, vous vous rappelez? Attendez. C'était... Deux, trois, huit, un. Ah non, mais faut que je retourne chez... Ah bordel, faut que j'y retourne. Enfin, si c'est bien ça, hein. On dirait un langage binaire de 0 et de 1. Ça alors. Mais je pense que c'est ça, mais juste je sais plus le code. Ah, j'ai un truc dans l'œil. C'était du coup à la taverne. Elle est où? J'ai oublié. Elle est pas là. Si aujourd'hui est le lendemain d'hier, demain sera le hier d'aujourd'hui, pas vrai? Le temps est étrange. On ne vieillit pas comme nos ancêtres les mous. On est enfermé ici pour toujours. J'avoue, les non-mous. Et toi t'es quoi? T'es un mou ou un non-mou? J'ai oublié où c'était. Un, deux, huit, trois. C'est bon? C'est ce que j'avais mis, hein. Un, deux, huit, trois, donc je pense que c'est pas ça le truc. Moi, je me rallonge de fou, ouais. Comme ça. J'ai mis un 3-8-2, j'imagine.
Ok. Une bonne chose de faite. On va aller voir Momo. Là, j'explore un petit peu la ville, on va avancer un peu. Moi, je peux pas. Bon, c'est pas le meilleur départ. On va partir d'ailleurs. On était là-haut, c'est ça? Non. Il était là-haut. Ok. Je vais prendre aussi le jeu. Il est tout pipou en tout cas. Et c'est beaucoup voilà, de la plateforme, des petites énigmes. Mais pour le... Et puis bah, on finit par découvrir des PNJ, ce qui est sympa. Après voilà, j'attends de voir un petit peu la durée de vie et tout ça. Et si c'est pas trop lassant. Pour le moment c'est tout mignon, mais c'est ma première soirée dessus. Hein. Donc forcément, c'est moins que j'aime. Petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles? Oh, tu as trouvé les notes de Clémentine! Elle était vraiment courageuse, tu sais. La plus brave que j'ai jamais vue. Oh, ça appartenait au doc, il était vraiment faible d'électronique et tous ces trucs-là. Toujours sur le point de faire une énorme découverte! J'ai le canet de Zbalthazar, c'est ça? La plupart du temps, je comprenais rien de ce qu'il racontait, mais il était plein de sagesse. Tu as vraiment trouvé tous les carnets de mes amis? C'est quoi cette note? La radio peut être réparée? Incroyable! Ça veut dire qu'on devrait pouvoir communiquer en dehors de cet outil. Clémentine, Zbalthazar, donc je m'excuse d'avoir douté de notre cause. Je vous promets, trouver un moyen de remonter à la surface. Merci. On pourra trouver un moyen de te faire monter. Maintenant, réparons cette radio pourrie. Comment qu'on fait? Bisous, Grisou, bonne nuit à toi. Dors bien malgré la chaleur. Repose-toi bien. Il m'en est marre. Viens avec moi. Là-haut, tu vois ce bâtiment qui dépasse tous les autres. Si tu installes l'émetteur au sommet de cette tour, tu devras pouvoir communiquer avec toute la ville. Tes amis pourront encore être là-bas. S'il y a un moyen de sortir, ils sauront où c'est. Nouvel objet qui... Et le seul à être assez petit et rapide pour échapper aux heures. On a besoin de toi, petit extérioriste. Et nous monter jusqu'au ciel. Ok, on y va. C'est ça? Avec les trucs lumineux? Ou c'est ça là-bas? Non, c'est ça en face. Ouais, c'est ça en face. Les autres, c'est des... grues. Je trouve 0 mots. 0. Que dalle. Et plus de vocabulaire. Les toits. Ah, attendez, j'ai un truc important. Voilà. Ensuite, on va... Ah oui, après je peux monter là.
peuvent pas monter, hein. Non, ils peuvent pas. Sauvegarde auto. Un chat chez toi? Nope. No cats. Pas d'animaux. Non, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi, je voulais pas faire ça. Voilà. Oh, sérieux? Ah oui, d'accord. Let's go. Voilà un royal. C'est ça. Exactement ça. Pas donné à tout le monde, ouais. Alors que je suis sûre que les trois quarts de mon chat, vous avez des chats. Oh! La ville est pleine de néons. Ça n'a pas toujours été le cas. Les plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taudis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un a allumé des lampes arc-en-ciel, des panneaux néons sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée et on ne l'a plus jamais revue. Mais les gens ont senti une note d'espoir et peu après, ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est trouvée impuissante. Pour les gens, c'était une façon de revoir la couleur. Comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. Eh ben, dis-donc. Touchtoun. Maine Coon, et oui, voilà. Sacré bébête, les Maine Coon. C'est juste pour le souvenir, hein? Je peux pas monter davantage. Ok. C'est quoi un royal? C'est une créature bien particulière. Oui, c'est ça, c'est mon chéri. T'as même Globin Dark, t'as des animaux? Ça a dû faire mal au patoun. Oh, je vous vois, vous. Et bonne des nuls. On trouve vénère. Ah, pirater la porte. Ah, je peux pirater la porte? Ça, c'est bien. Il est bizarre comme question, monsieur Skull. C'est un royal, c'est tout. Ça ne peut pas être classifié, enfin. Mais tu es mon chaud. Ça va être chaud, là, parce que va falloir que j'enchaîne. On va voir.
excusez-moi, j'étais... Merci Aurel. J'ai eu un bug de fou. Regardez juste où tu en étais. J'avais pas tardé à me spoiler, tu restes un peu plus. Merci Aurel, c'est adorable. Merci. J'ai eu un... Je te promets, j'ai... Ah non. Je vais tuer mon chat. Ouais, mais je comprends pas, mais je suis fatiguée. Merci beaucoup, Nizubi, merci pour ton deuxième mois d'abo. Eh, je, la chaleur me fait péter un câble. Merci, merci. Très gentil. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu qui fait d'air Twitch. Hein. Bon, par contre, je fais n'importe quoi. Hein. Ah, ouais, là, j'ai vraiment, je sais pas. J'étais en train de lire entre les lignes un petit peu. Mais c'est Majuscule, il m'a dit des trucs, j'ai rien compris. Du coup, bah... Mais j'ai pas compris. Du coup, parlez plus clairement. J'ai un chat pendant 13 ans. Et en 2018, un cancer fulgurant. Et plus rien, ok. C'est toi, merci. Bon, n'empêche, là, je fais nawak, hein. Peut-être que je rouvre et que je me casse vite, mais j'ai l'impression que ça va pas marcher. Est-ce que si je vais loin... Est-ce qu'il me voit toujours, genre si je vais là? Ah ouais. Il me voit complètement, ouais. Encore merci en tout cas des zoubis. Ok, j'ai le temps alors. Vas-y, on va dire que j'ai le temps. J'ai zéro le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon bah alors faut que je la rouvre. C'est risqué hein. Je sais, je vais faire ça, je vais les attirer là. Je fais des trucs là, je teste des trucs de gueudin. D'accord, ça marche pas du tout. Ah oui, d'accord, il y a un petit décalage. Je voulais qu'un équipe meure. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'était pas compliqué, c'est moi là. Ça vient totalement de moi en fait. Mon chaton, t'es un peu à droite. Il est fatigué, ouais, ouais. Ah ouais, mais bon... Tu es une humaine, hein. GG, merci. Ah, c'était dur. Oh, les énigmes. J'ai galéré. Oh, je me sens tellement ridicule. Ah, ça travaille la tête, hein. Par contre, les entonclinés, ça va aller. On dirait des Kobe. Enfin, des cochons d'Inde. Un peu. J'ai chaud aussi, mais voilà. J'étends mes jambes, comme ça elles sont face au radiateur. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai mis au niveau de mes jambes. Si je mets mes jambes après en tailleur, bon bah, ça ne peut rien, hein. C'est trop dégueu, je vais pas rester là. Non, mes patounes vont être intoxiquées. Je dirais qu'on est à l'intérieur d'un corps qui aurait des boutons internes. On sait que quand on a un bouton dans le corps, ça ressemble à ça à l'intérieur. Oh, quand on a la varicelle. J'ai jamais eu la varicelle. Voilà. Ah, je l'ai passé. Comme sur des rollers, hein. Venir des soupis. Oh là là. Je me sens naze. Non mais il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. Pour ça. Non, je vous ai vu. Eh merde.
Non, 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 oh, non, 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 c'est bon. Ah, ils font tous les foufous, regardez, c'est trop foufou. Ah, non, ils passent pas. Passe zéro. Mais s'ils passent. Et vous, vous me laissez faire. Vous me dites R. Là c'est bon, là je suis tranquille. Je suis plus tranquille, j'entends. Ça fait ouin, 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 ouin. Non mais je vous entends hein. Et je vous entends. Alors que je les libère. Ça semble être une super idée ça. La musique est s'emballe. Attendez, j'examine. C'est quoi là-bas? Oh, il y a un souvenir. Se rappeler. Nico Corp. C'est eux qui traitaient les déchets. Les déchets venus des états supérieurs ont débordé dans les taudis et ont tenté de développer une bactérie pour tout dissoudre. Ils ont tenté. Après la disparition des humains, la bactérie a muté et a évolué et mangé bien davantage que les déchets. Maintenant, on est désert. Bon, vas-y. Sacrée belle histoire. Ça me gratouille. Ça me gratouille un endroit où c'est pas facile. Ah oh, mais c'est beau, j'ai géré. Franchement, j'ai géré. Ah, je suis un chat. Vous avez vu, on est un chat. Is ok. Qu'est-ce que j'en fous de ça en fait? Oh, ils mettent du pu. Bon, je vais où maintenant? Je me suis enfermée là. Oh mais non! Ben non, il faut pas! Parce que ça, il faut que je sorte. Non mais non, là je fais Nawak, attendez. Oui c'est ça. J'ai l'info. Oh non, mais cassez-vous. Si je me mets loin, ils s'en vont. Il y a quand même un qui reste. Is ok. Ils vont m'attaquer. Jusqu'à la Darmax. Ah c'est bon, on arrive à la tour. Prends un peu le temps là. On prend un peu le temps. Prenez le temps, vous aussi. Vous savez quoi, je vais même boire. Je suis un peu une dingue. Ah ouais, là, je peur de rien. Merde, je buvais. Attends. Allez.
Mince, elle est toujours pas là. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette armée? Faut que j'escalade. J'ai pas fait attention. Mais j'allais gueuler. J'allais me plaindre un peu. Ça fait vraiment les machins d'Half-Life. Hein. Mais en taille, voilà, comme j'ai dit, en taille chat. C'est-à-dire que ceux d'Half-Life, bah, ils faisaient plutôt la taille d'un chat par rapport à un humain. Voilà, ça fait la taille d'un chat par rapport à un chat. Enfin, un chat du point de vue des humains, si on... Un chat... C'est plus petit, quoi. Je suis fatigué, hein. C'est pas drôle, hein. Objet utilisé ? J'ai de la lessive ? Ah non, la radio ! Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi j'ai de la lessive, moi ? Y'a plus de Zerks. Regarde cette vue, c'est très beau ici. On a quand même le truc de dialogue en plein milieu de la vue, quoi. C'est... Ouais. Ça me revient, la ville, elle devait servir d'abri. On dirait des étoiles. Mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur. Mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté totalement, aride, invivable, dangereux. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Vous n'avez pas seulement promis d'aller à l'extérieur, vous avez aussi promis d'ouvrir la ville. Je comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Je suis certain que c'est ma raison d'exister et je dois ouvrir la ville. Retournons voir Momo. Maintenant qu'on a broché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Let's go go! Voir Momo! Oui! C'est sympa. Toddy partie 2. Toujours faire des badounes. Tu es encore en vie, excellent. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le pas pour ouvrir est assez simple. Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar, Momo. Ça doit être le code pour la fenêtre. Le code pour la fenêtre, un code de l'entrée. Ok.
Bah écoutez, moi je pense que je vais je vais peut-être arrêter là. Et puis on se gardera la suite pour la prochaine fois quoi. Je vais couper à la VOD. Sous VOD. Bah c'était Stray. Et c'est toujours aussi pipou.